comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Le véritable silence, c'est pas quelque chose que l'on fait. C'est ce que l'on est, c'est déjà là. Donc on ne peut pas pratiquer l'accueil, par exemple. Voyez, je vais essayer d'être plus accueillant, voyez, que je ne le suis déjà. Ça, c'est du développement personnel, quelque part. Hein. C'est sympathique, mais on veut développer la présence. Bah, le développement de la présence, de l'apparente présence, se déroule dans cette absence de quatrième mur qui est déjà totalement ouvert. C'est pour ça qu'ici, ce qu'on partage, c'est une connaissance. Une reconnaissance. Comment tu vis ça, Mamed, l'absence du quatrième mur de ton côté? Disons que il y a comme une vision. Ouais. On sent que c'est pas deux yeux. Ils sont en direct là. On voit pas à travers deux yeux. C'est comme si c'était ça. Il nous dit quelque chose de très important. Il nous dit, parce que quand même, je dis pas que Mamed, qui vient depuis 5-6 ans, est réfractaire à la vision sans tête. Néanmoins, voilà, il y a eu quelques difficultés. Il y a toujours d'ailleurs. En fait, mais quand même, tu viens de dire une chose très importante. Oui. C'est comme là, si, sans la mémoire, j'ai pas de visage en fait. Ah. Il y a une vision. Ok. Mais. Non, attends. Mais juste avant le mais, si tu permets. Qu'est-ce que ça fait avant de. Après, on va développer le mais. J'en profite pour mes amis là. Voilà. Vous êtes en relation avec Mamed à partir de cet espace. Qu'est-ce que c'est que cet espace? Il est comment cet espace qui avant le mais là? Est-ce que d'ailleurs il dit mais l'espace? Non. Ah. Il est avant ou après le mais? Il est avant. Ah. Donc le mais. Mais pourquoi tu t'intéresses au mais? Pourquoi tu t'intéresses pas à l'espace qui est avant? Quelque chose qui cloche. Bon. Mais il y a quelque chose qui cloche, c'est une phrase qui apparaît dans un espace ouvert déjà. Des fois c'est qu'on. Non mais maintenant, pas des fois, maintenant. Maintenant. Now. Il y a quand même du. Il y a du senti. Du senti. Il y a un peu de densité dans le corps. Ouais. Mais ça apparaît. Mais est-ce que l'espace dans lequel cette densité apparaît du corps, hein? J'en dis ce qu'on vient pas, peut-être que vous avez des émotions, des deuils, des lourdeurs dans le corps, des angoisses, bien sûr. Mais ces émotions, ces angoisses, ces difficultés, ces lourdeurs, elles sont en train de changer si on les écoute. Elles changent. Hein? C'est jamais les mêmes. Ça change. Ça varie, ça danse. Est-ce que l'espace, il danse? Ah, il a dit quelque chose de très important. L'espace ne danse pas. Il est immobile. Il est immobile. Il est silencieux. C'est ça. Il est avant le bruit. Les mots, c'est un bruit. Très bien. Et je te rappelle que dans la connaissance du soi, de Shankaracharya, Atma Bodhi, numéro 21, par manque de discernement, les hommes attribuent les qualités et les activités du corps et des sens au soi, qui est pure existence et pure conscience, de la même façon que la couleur bleue est attribuée au ciel. Donc, ce que tu viens de redécouvrir, c'est quelque chose qui est immuable quand même. En tout cas, ce n'est pas altéré par les densités du corps. Alors que les densités du corps, l'anxiété, la lourdeur, tout ça, bon, ça, en plus ça change. Tout à fait. Est-ce que cela, cet ouvert-là que tu viens de redécouvrir, cet œil unique, cette transparence, qui accueille bien sûr les sons, enfin les couleurs, mais qui accueille aussi les sons, les odeurs, les goûts, est-ce que ça change avec ça? Ça demeure. C'était là avant, c'est là maintenant, ça sera, on peut supposer que ça sera après. C'est évident ça ou pas pour toi, Mamed? C'est important, là, on est vraiment sur quelque chose de très fort, là. Oui, c'est par l'expérience, c'est évident.
Ok, reste avec ça, s'il te plaît. Avant, on parlera du mais plus tard. Pour l'instant, je t'invite à t'abandonner ou à jouir de cet espace que tu es, que tu te reconnais être. Bon, jouir, c'est un mot fort, et ça veut dire reconnaître. Et il y a une forme de jouissance dans, qui est la félicité, qui est la joie. Il y a une joie, il y a une absence de manque. Tu en conviens qu'il y a une absence de manque. Présentement, oui. Donc cette absence de manque, qu'est-ce que c'est sinon la joie? Quelque chose qui ne manque de rien, qui est ouvert, qui est omniprésent, qui est toujours disponible. Donc je vous invite à goûter ça. On dit dans les Upanishads Amrita, c'est le nectar de l'immortalité. Et donc vous êtes invité à le goûter, les yeux ouverts, ou plutôt l'œil unique ouvert. Ce que je n'ai pas encore vécu. Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? S'obstine pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive. Oh.
cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interrompu.